Donc sur la partie droite de cet étage, on va retrouver toujours le même principe, hein, des salles, soit dédiées au bureau, soit dédiées éventuellement aux salles de réunion, avec des formats différents. Nous étions en bas sur un format relativement grand, à peu près 100 mètres carrés, pas tout à fait 100 mètres carrés. Et là aussi, dans le travail qui a été réalisé avec l'architecte, eh bien, on a essayé de réaliser des formats différents pour répondre aux demandes des différentes associations et autres réunions, entreprises du territoire qui ont besoin de temps en temps eh bien, de formats, de salles de réunion plus petites. Hein. Et puis on va tomber sur deux espaces qui sont un peu plus grands et un peu plus spécifiques, notamment ce bureau. Qui en fin de compte, le terme bureau, je pense, pour cet espace est impropre, puisqu'en fin de compte, ça serait plutôt une salle de formation ou éventuellement une salle de réunion. Donc là, on se trouve dans une partie où on va avoir des bureaux, hein, donc des bureaux du service culturel, du service patrimoine, des bureaux. Bah, je veux dire plutôt sympathique quand même, hein, en termes de convivialité. Voilà. On a créé des Oculus, ça c'était pas existant, hein, pour amener de la lumière. Alors toujours bien sûr avec le respect du patrimoine, hein, avec la pierre, ces valeurs-là. Et puis on a ces parties de charpente qui sont apparentes. Le sol bien sûr va être refait, hein, c'est pas un sol actuel. Dans les bureaux en face, bon, on trouve exactement la même. La même architecture de pièces, avec un Oculus assez sympathique en pierre, une vue sur la place.